On s'est aperçu récemment, il y a des recherches qui le montrent, que les 1000 premiers jours de vie, donc qui débutent de la date de fécondation jusque l'âge de 2 ans, ça fait 1000 jours au total, c'est pendant cette période-là que sont programmées les pathologies plus tard, futures, ou la santé. Et donc notre capital santé futur dépend de l'environnement pendant ces 1000 premiers jours de vie. Le diabète, la pathologie cardiovasculaire, l'obésité, la pathologie psychiatrique, les pathologies allergiques qu'on observe chez l'adulte, parfois très tard, sont en réalité programmées pendant ces 1000 premiers jours de vie par l'environnement de la mère et de l'enfant. En fait, il y a 3 facteurs qui conditionnent et qui programment la santé future. C'est le bien-être pendant la période périnatale, le bien-être et le confort, c'est le mode de vie et la nutrition pendant les 1000 premiers jours de vie, et c'est l'exposition potentielle aux toxiques de l'environnement. Et ces 3 facteurs sont susceptibles de conditionner l'avenir et le capital santé. Il y a environ 600 personnes qui sont concernées par ce projet. C'est tous les soignants de cet hôpital, mais c'est aussi 9 équipes de recherche qui travaillent sur les mécanismes qui expliquent cette programmation et cet impact de l'environnement sur la santé future, mais aussi des chercheurs en sciences humaines et sociales, des chercheurs en épidémiologie, des méthodologistes qui vont nous aider à élaborer les meilleurs programmes les plus efficaces pour préserver l'environnement de la mère et de l'enfant.